Oui, alors Romain, donc je suis arrivé chez Ellozy donc en avril 2022 en tant que tech lead Python et plus particulièrement sur Doux. Alors ma mission actuelle c'est du coup DevOps, donc du coup ça veut dire tous les matins c'est regarder les indicateurs, voir si tout est au vert. Et puis s'il y a une panne ou quelle qu'il soit, il faut interagir très vite. C'est le soulagement aussi de tous les développeurs d'en trouver des solutions pour dire d'avancer sainement au sein de l'entreprise. Après, c'est la gestion de tout ce qui est infrastructure, donc les migrations, etc. En parallèle, actuellement, je suis aussi développeur NES, donc tout ce qui est BFF, donc les transactions internes externes. Alors la journée type, c'est premièrement, j'arrive, il faut regarder si tout est ouvert. Donc si tout est ouvert, ça veut dire des lits avec les équipes et puis petit café ensuite pour dire de décompresser et puis discuter entre nous pour justement la fin de la journée. Et donc après, ça dépend suivant la mission. Donc en ce moment, par exemple, ça va être migration d'infra et puis développement de certaines API. Sinon, c'est tout est au rouge et c'est le bordel. Voilà. Déployer. Back. Je vais dire les deux. Seigneur des anneaux. Vendredi. Linux. Collaboration. Aperops. Python. Les deux. Alors ça serait mon mot, ça serait une porte. Pourquoi? Tout simplement parce que la porte, ça signifie le cocon, donc on est chez soi, sur ses acquis, mais c'est aussi la porte ouverte sur des nouvelles choses, donc où on va sortir de chez soi vers des nouvelles opportunités et pourquoi pas tout un tas de choses. Donc justement, c'est l'ouvrir sa porte vers justement de nouvelles opportunités et puis des nouvelles choses.